Allez, salut les gens! Aujourd'hui c'est Megaman X4 pour la suite du marathon et je crois que c'est car il y a là. Ok. Donc, c'est la deuxième prise parce que bah, on voulait montrer une intro et visiblement bah, c'était un peu un flop. Donc, bah, c'est parti, on va déjà commencer puis ensuite on verra l'intro japonaise. Parce que moi je m'attendais à. Ouais, j'ai vu, merci. Pourquoi la Azure Origin ici présente voulait me montrer l'opening? Bon, on va le voir après, on va le voir après. Alors, Megaman X4. Ah, du coup, le changement, c'est Megaman, Rockman. J'aime bien le logo, il est trop. Là, le logo, il est trop stylé, je trouve. Zéro, évidemment. Avoir des instrus, les intrigues. What the fuck, ok. T'as le vaisseau, il fait trop penser au monstre Kashtira dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une sorte de rivalité entre un général et les robots là? Par contre, c'est moi ou c'est vachement foncé en vrai? Ah, l'intro! Ça manque de punch en vrai, mais bon. Les effets lumineux sur une séquence, tu dois diminuer la luminosité. Ok, je vois, je vois. Ce que je suis, c'est vachement sombre. Hein. Ok, donc voilà, on est sur PlayStation 1, mais d'abord, bah, c'est parti pour mettre l'intro. Ah putain! Ouais, bah je couperai ma voix en fait. Parce que j'ai pas le casque là de brancher. Hein. Ok. Voyons, voyons. Ah putain, c'est en 16 neuvième. Attends, c'est en 16. Oh, c'est en 16 neuvième! C'était pas prévu ça. Bon, attends. J'ai pas non plus tout. J'ai pas tout cassé non plus. J'étais pas obligé de faire ça. Bref. Hors filtre, hop. Ok, là vous me voyez plus. Donc, je vais couper mon son parce que sinon vous allez tout entendre en double. Et puis voilà.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Ouais, c'est quand même mieux avec la chanson. Ça ajoute un petit truc en vrai. Bon, eh ben, je pense que cette fois, c'est parti. Makenai, Aiga, Kito, Alou, oui, c'est le nom. C'est une chanson que j'adore. Non, c'est bon, j'ai vu l'intro, j'ai vu l'intro. C'est bon, j'ai compris. Allez, c'est parti. Presse truc ou A, option. Ah, là, on peut config du coup. Donc, Y, oh putain, oh, les boutons sont dégueulasses. Jump dash. Ah, voilà. Là, on est d'accord. Giga attaque. Ouais, hein, c'est bien. X Buster, learn and move sur X. Quoi? Mais je vais mettre sur ZL, je pense. Et lui, alors c'est quoi le X Buster? Ah non, attends, ça c'est le Z Saber. Bah non, le learn and move, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Y et X, on dirait la même chose, mais pas tant que ça en fait. Aussi changer le bouton dans le menu des armes. Ok, ça c'est cool. Weapon Select, ça c'est bien. Bon, on verra bien, écoute. Il y a un sound mode. Ah non. Bref. Voilà. Ah ça y est là. Oh, let's go. Ouais, je veux jouer avec zéro. Je veux complètement jouer avec zéro, c'est bon. Voilà. Ah, cinématique! Now go, destroy him. That's an order. But wait. Oh putain, le doublage de la PlayStation 1. Attends, mais c'est Docteur Willy. Oh là, oula. Same dream again. Je sais pas si on fera les deux scénarios en vrai, on verra sur ma motive. Oh là là! Ouais, non, mais. En fait, je sais pas, mais je sais pas si c'est la même pour toutes les voix anglaises. Mais sur les versions françaises et anglaises sur PlayStation 1. C'était tellement pas pris au sérieux, j'ai l'impression. Je peux pas dire pour les voix japonaises. Alors, Maverick et Jay, The Point 5567. Ils ont occupé le Sky Lagoon. Like Ripley Force, ok, je suis là. Oh, il est trop stylé. Ah, ça, c'est triste. Alors. Alors, c'est la même période que Rockman 8. Ouais, c'est. Bah, moi je suis trop content en vrai. Ok, ça me sert à rien. Bref, je vais avancer. Oh, je suis tellement content de jouer zéro! La barre de vie, c'est pas la même hein, non plus. Hein. Oh, de la vie!
Il a disparu? Ok. Son thème dans le jeu, je l'adore. Ah. Donc on a toujours les wall jump, ok. On a toujours le dash. Et on peut toujours faire ça, ok. Très bien. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Ah, on a des... Alors, c'est pas des gros effets de lumière. Mais là, on voit quand même... Ouais, on voit les petits champs. En fait, c'est pas vraiment... Enfin, si, ça change de couleur, mais... C'est un filtre. Ils ont mis une sorte de filtre. Ça marche bien. Ah, Capcom. Il y a le code Capcom, là, derrière. Ok. On peut toujours... Ouais, on peut toujours faire ça. On va quand même faire gaffe. Ah, X a un autre thème, ok. Quoi? Ah! Putain, ça rame. Dragoon! Non, je vais arrêter de faire des refs à Yu-Gi-Oh que personne ne comprend. Tu es la 14e unité, pourquoi? 2-0. Les Mavericks ont pris le pouvoir. Les Sky Lagoon. Ça va détruire la cité entière. Enfin, la ville entière. C'est trop tard, je dois m'échapper maintenant. Il serait mieux de faire la même, 0. Oula, oula, waouh, putain, ces petites, hey, les petites icônes animées là, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool, je trouve. Hey, je suis trop content du passage PS1 en vrai. Hein. Oh, je suis trop content. Des dialogues qui ont la trad anglaise et parfois de la qualité du doublage. Pour pas changer, hein. Soyons honnêtes. Merde. Attends. Y'a rien ici? Non. Bon, pour l'instant, le premier niveau est facile. Ça va. Oh, le retour de karma. Ah, le très joli retour de karma là. Ok. Ok. Je peux l'avoir comme ça, yes. Oh, putain, ok. Ok, très bien. Ah oui, ça sert à rien. Ça sert à quoi les options? Ah ok, ok. Ouais, d'accord, je peux changer à tout moment, comme tu l'as dit. Bon, on va se concentrer un peu plus.
Iris, qu'est-ce que tu fais là? Ils se connaissent. Est-ce que tu vas bien? Zéro, est-ce que tu es venu me sauver? Oui, viens là. Un immense Maverick est apparu et... Reste ici, Iris, je vais m'en occuper. Est-ce que c'est vraiment la Directive Force? C'est pas le moment de se séparer. Je dois me défaire, moi. Ce qu'il y a déjà... Dans Extrême 2 qui se passe entre 3 et 4. Ok. Wouah! Oh, un dragon! Ok. Ok. Cool! Facile! Zéro, ça faisait longtemps. Colonel, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour sauver ma sœur Iris. Ah ok, c'est la sœur, ok. J'espère qu'elle va bien. Elle va bien, je viens de la secourir. Oh, merci Zéro. Colonel, j'ai une question. Est-ce que ton unité vient d'attaquer cette place? Mais de quoi tu parles? Les Ripley Force viennent ici pour aider. Nous sommes pas venus pour une attaque. Oh, ok. Donc je suspecte que tu es devenu un Maverick. Hein? Range tes armes et viens avec moi au QG. I'm afraid, j'ai peur que je ne peux pas, un soldat ne peut pas baisser son arme. Je ne ferai pas, même devant toi, Zéro. Donc tu es un Maverick. So be the Ripley Force préfère, oh, the Dishonor and Shame, goodbye Zéro. Attends, colonel, écoute-moi. T'es d'accord, Zéro? Et il sait que l'entière Ripley Force est devenu un groupe de Maverick. Ok. Allez, petite Data, là. Voilà. Petite save. Ah, nouvelle cinématique. Brave soldiers of Repliforce, we have all been wrongfully judged as mavericks by the humans. We cannot suffer this indignity and live in disgrace. We will build our own nation of Reploids. But c'est lui le colonel du coup? Non, c'est pas lui le colonel. Lui, c'est un autre perso. Mais sa voix, elle colle tellement pas, putain! A sanctuary for all Reploids, our own utopia. Let us forge onward towards a new golden era for the Repliforce. Yeah! Wow, lui c'est colonel. General sentiment. Take heed, we have no other choice. Let us fight valiantly, with courage and pride, without fear, for we are the Repliforce. The most powerful army in history. Yeah! The general has finally taken action. And now, my Maverick hunters, what will you do? I'll be watching closely from here on out. Il y a une VA qui colle pas en VO. Oh, la voix de Crocodile dans One Piece, ah ouais. En VO, c'est dit que le quartier général qui est suspect, car c'est une grosse coïncidence qu'il était déjà là. En anglais, Zéro devient assez froid. Ouais, mais je trouve aussi. Hein. Iris, qu'est-ce que tu fais là? Mon frère colonel. Start the coup. Je sais. S'il te plaît, ne l'affronte pas, lui. Il peut faire des erreurs.
s'est déjà occupé de certaines cités. Vu que je suis un chasseur, je dois s'occuper. Ah, coup d'état, ok. Je dois y aller. Destroy the weapon. A bug is corrupted of the network. Oh, cyberspace! The Reaper Force Ship has taken off, rescue and blast, ok. Dragoon of the 14e. Oh, Dragoon est un traître! La base marine. Biolab, the laboratoire abandonné et maintenant non, pas fait. Globalement, la Ripley Force était une police réploïde, mais comme ils se font suspecter d'être les Mavericks, ça veut dire qu'ils auraient créé une nation pour eux-mêmes plutôt qu'être inculpés à tort par des humains. Oh, Military Train. Et la Snowbase. Ok. Alors, c'est qui le premier? Alors, il y a une Solus qui me dit de commencer par Frost Walrus. Et une autre Solus qui me demande de commencer par Web Spider. J'imagine que c'est lui, Web Spider. Les speedrunners commencent par Dragoon. Ah, ouais. Vous savez quoi? Je vais suivre le buzz guide là que je prends habituellement et puis voilà. Donc je vais commencer par la jungle. Ah, Web Spider. Il protège le l'arme secrète dans la jungle. Ah, Web Spider. Ah, c'est pas mal. Alors... Bon, comme... Merde. Zéro a l'air vachement puissant. C'est peut-être aussi... Il peut pas charger l'épée. Non, il a pas l'air de pouvoir charger. Hein. La musique a l'air un peu OZEF, hein, par contre, je trouve. Enfin, cette musique-là, je la trouve un peu OZEF. À voir les autres. Ah. Y'a rien ici. Attends, j'ai plus de vie en fait là. Ah si, j'en ai une. Oh putain. Oh la saloperie! Ouais, par contre, en fait, vu que je peux pas attaquer à distance, je risque de me prendre bien plus de dommages. Hein. Ok. Un peu dash entre ses coups. Ah ouais. Ouais, je vois. Ça c'est Kali. Là y'a rien. Ah
Ok, pour l'instant j'ai pas trop de difficultés, ça va. Après c'est le début hein. Ok. Là y'a quelque chose là? Non. Putain, la musique elle est aux F-tiers hein, par contre je trouve. Hein. Porte du boss? Ah! Ah oui! Oui, vu qu'on est sur PlayStation 1, il y a, j'imagine que c'est. Il y a deux zones distinctes, j'imagine. Pas la, la PS1. Je sais pas pourquoi la PS1 pouvait pas. Bon, au moins ça fait office de checkpoint clair. C'est pas tuable. Ok. La voix de Zero, c'est Ryotaro Kaio. La voix de Kizaru. Wait! Attends, c'est pas du Obrando? Parce que justement, j'avais fait une il me semblait avoir fait une recherche sur lui là. Attends. Ah non, c'est pas Jojo. Kizaru. Ouais, non, mais je me suis trompé. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'est lui. Bon, je verrai plus tard. Ah, c'est Scar! C'est Scar de Full Metal Alchemist. Ok. Bon, j'arriverai pas à les avoir, ceux-là. Du coup, j'imagine que le logo R. Je connais. Oscar de FMA. Ah, ok. Ouais, oui, voilà, le logo R, c'est la réplique forte, du coup, ouais, on voit le logo, je vois. Putain, mais ça avec le Buster, ça va être relou en vrai. Il y a toujours rien. Wow! Pour l'instant, je vois pas de collectible en tout cas. Ok, ça je peux pas détruire. Le Buster a un rayon pas trop mal dans le jeu. Ok. Ça je peux pas détruire non plus. Oh, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est mais. Ok. Ah, ça a full life, ok. Ah, boss time. Les robots aussi là. Oh, je suis déçu. Ah, Zero Expecting You, Spider, tu bosses pour la Repli Force.
Et ouais, je suis dans une unité Renegade. Ok, bon. Ok. Non! Oh, oh, il fait mal, sa mère! Dommage. Ouais, il y en a, mais j'entends jamais. Non, si, il parle un petit peu. Ouais. Il fait des petits bruits. Hein. Donc, non, on l'entend un peu. Hein. Ok. Ok, non, c'est bon. Ils sont pas cons au point de. Par contre, j'ai l'impression de lui faire que dalle niveau dégâts. Ah non, je peux le taper sur le retour, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Oh, oh, le changement de pattern. Ça c'est un super premier boss, je trouve. Super intéressant à affronter. Ça grosso. Ah merde! Je pensais qu'elle allait me faire mal. Raging Geki. J'imagine que ça se dit plutôt comme ça. Je sais pas en fait. Ça. Oh. SM Button of the Ground. Ok. Ah, Special Move, ok. Lightning Attack, effective. Ken, c'est 10 en ennemi. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Parce que là, c'est. Parce que 0, il manque d'attaque à distance, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas mal pour commencer. Ah, des moves plutôt que des armes. Donc le prochain, c'est Split Mushroom. Je crois que c'est celui-là. C'est parti. Il occupe le laboratoire et l'attaque quiconque visite. Ok. Oula, c'est quoi ce niveau en 3D là? Alors attends, essayons. Bah.
Ah, c'est un truc comme ça, là. Oh, ça fait trop bizarre. Ok. Ah, j'aime déjà plus l'ambiance ici. L'ambiance, je la trouve plus cool. J'ai récupéré une vie, très bien. Ok. Ah. Pour l'instant, le X4, je l'aime vraiment bien. Hein. Eh, il y a des bonnes idées là. Ça peut être trop débile, c'est cool. Alors... Ah, un mini-boss. Ok, bon, ça c'était facile. Par contre, j'imagine que c'était... Fallait le battre très vite. Ok. Let's go! Oh, j'ai réagi tellement vite là! Ok. Oula! Non mais ça va là, je suis pas dans tout non plus. Ok. Oh putain, j'étais à court de vie là.
Attends, c'est le boss? Ah, tu es allé aussi loin, je suis impressionné. Tu es vraiment intéressé par la voie de challenge. Qui est ton commandant? Oh, peu importe, c'est l'heure de se battre. Hein? Ok. Putain, il me fait penser à Gemini. J'ai pas le temps. Le... Oula. Le... L'attaque de Zéro a l'air super... What? Alors, je m'attendais à devoir tout refaire. Hein. Vraiment. Hein. Casper, aidez, enlève les clones. Pas compris. Le cac peur. Ça peut aider. Enlève les clones. Ah. Ok. Eh, par contre, après un game over, me faire respawn à la moitié du stage, vraiment merci. Hein. Oh putain, le débile! C'est ma faute! Mais y'a plein de checkpoints, OMG! Non mais ça, merci, vraiment merci, ça pour moi c'est une bonne chose en fait. Ok. Allez, je retente. Il est rigolo ce robot. Ah putain. Ah
C'est... Oh, il est dur ce boss en vrai. Waouh, il est dur. Mais bon, j'ai compris un truc. J'étais très con là par contre. Let's go! Eh, pour l'instant, deux boss, deux très bons boss. Hein. QNB. Les meilleurs upgrades. Higher Factor Jump, par possible vir Airbone. Il peut être activé en attaquant dans les airs. Ok. Bon. Ensuite, c'est Slash Beast, visiblement. Use Saber and Dash a lot. Ah, pas forcément en fait. Alors j'imagine que Slash Beast c'est lui. Vous avez un double saut, une attaque aérienne. Oh shit! Alors il défend le train militaire et protège. Protège les vivres, voilà. Alors. Ah merde, je l'ai plus. Il y a un temps de charge ou... Ah non, non, ok, oui, non, j'ai compris. Putain, mais c'est trop stylé. Eh, mais c'est... Mais tu m'étonnes que les gens, ils kiffent zéro. Putain, mais t'as un vrai nouveau gameplay, là où X se rapproche beaucoup de, bah de du Mega Man de base. Ah non, mais moi je kiffe là par contre. Il s'est suicidé là. Ok, encore un. T'as cette attaque et le double saut, bah tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Moi ça me fait, je sais pas pourquoi ce niveau il me fait penser à un niveau de Tiny Toons. Alors que les deux n'ont pas grand chose à voir. Encore une cinématique. C'est bon hein. Ah.
Wow. Ah bah oui, j'avais plus de vie. Bon, je reprends au début du coup. Mais en vrai, vu que là, il y a deux gameplays sensiblement différents. Là où Bass et Megaman, c'est pas non plus différent. Ah, peut-être que ça me motivera de faire les deux en vrai. À voir. Là, si vraiment il y a deux façons de jouer, moi je suis preneur. Hein. Parce que autant même avec Bass, Protoman et tout, j'ai pas trouvé les différences si significatives que ça pour avoir envie de recommencer. Peut-être que je le ferai quand même un jour, hein, je sais pas. Mais là. FX, en plus, ça le fait de chercher l'armure que Zero n'a pas. Ah, ok. Ah, sans émissile ce truc. Ok. Par contre, je rate un truc là ou quoi? Je rate peut-être un truc parce que sa vie elle descend pas. Ou peut-être que j'y aille franco en fait. Ouais, c'est ça. Ok, il bon, fallait juste y aller franco. Hein. Allez, par deux. Une vie, connard. Oh, le robot. Allez. Ah oui, d'accord, il n'y a vraiment pas besoin de chercher là. Ah.
Et par contre, faut arrêter de repop, hein, monsieur. Il y en a deux qui sont vraiment donnés, je pense aussi. Le nouveau joueur identifie l'objet. Ouais, c'est possible. Bon, après, hein, je veux dire, tu vois un cœur. Bon. Tu vois que c'est un bonus quand même. Après, moi, je vais pas m'en plaindre. Hein. Oui. Bon, après, faut savoir aussi qu'il faut commencer par ce niveau. Hein. Ah. Boss. Ah, tu oses attaquer mon unité? Ah, je vais apprécier t'affronter. Est-ce que Use Saber and Dash a lot. Ok. Peut-être le plus dur. J'ai pas de chance. Wouah, mais il a... Putain, j'ai pas le temps d'esquiver cette attaque. Ouais, à mon avis, c'est mort. Hein. Je perds trop de vie. J'arrive pas à esquiver cette attaque. Ouah, putain! Il est dur en full frontal, les pros le gèrent au réflexe, mais j'attends les ouvertures. Ouais, légit.
Ça par contre, il y a ce passage qui est un peu lent en vrai. Insupportable par contre ça. Bah je vois un peu les ouvertures qu'il fait mais... Ouais, avec ça c'est pas forcément évident en fait. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a des e-tanks aussi à ce que je vois là. Parce que je vois qu'il y a moyen d'avoir deux e-tanks et un W, je sais pas ce que c'est. Des tanks, ok. Ça sera peut-être une bonne priorité à avoir. Hein. Ok. Bon, j'allais dire, s'il fait que ça, ça va. Bon, là, en l'occurrence, il fait plus que ça. J'ai un mal fou à esquiver cette attaque, c'est ouf. Hein. En fait, j'ai pas le réflexe parce que j'atterris. Ah, mais j'ai un double saut, je suis un putain de débile, vas-y. J'ai pas l'habitude d'avoir un double saut. Hein. Ok. Salut stream sans cam. Bienvenue sur la chaîne. Mais putain, mais là il m'anticipe comme un gros connard. Ouais, j'ai plus putain, mais. Wow. Ok. Ah ouais, il commence direct là avec son attaque à distance là. Ok. Mais vas-y. Là il enchaîne ses attaques à distance. Je sais pas comment ils esquivaient. Wouah. Putain. Il a trop enchaîné ses attaques à distance. Et je trouve que c'est les plus durs à esquiver. Là j'ai pas eu de chance sur le pattern hein. Ah bah j'espère hein. Putain, les robots fonceurs, on dirait des mini Sigma un peu. Je sais pas pourquoi.
Bon. Allez, c'est bon, j'ai récupéré ma vie. En vrai, je pense aussi la petite pause m'a fait du bien sur Megaman. Ou alors c'est vraiment c'est vraiment une expérience super mauvaise que j'ai eu sur X3, je sais pas. Je me suis fait bait par l'arrêt d'animation. Ouais, c'est clair. Oh, les grosses bouses à plasma dans X3, mais quelle horreur à force. Allez, allez, je vais y arriver cette fois. Putain, ça fait déjà une heure. J'ai failli me faire avoir. Ah, je me suis fait avoir. Putain. Oh! Mais non, mais il me l'a fait deux fois. Va te faire foutre là. Et c'est quoi ça? Je pense que ça va être le dernier essai en normal, je pense que ça va en facile. Mais bon, c'est pas un boss qui a l'air plus stupide à battre en vrai. C'est vraiment, c'est, je trouve moins stupide que les boss de X3. Et je pense que le fait que je suis au sabre aussi, c'est plus plaisant aussi. Mais vas-y, mais putain. Il m'a quand même eu. Oh, ce combat de boss, putain! Oh, le plaisir! Bon, je crois qu'on peut se setup, c'est pas grave.
Ok, tu utilises très soit... Ah, c'est la dash attack, ok. Bon, visiblement, maintenant, c'est Dragoon. Il se passe très souvent. Ah, ok. Alors, il a... Attends. Et... J'ai... Bref. Attends, j'ai pas réussi à... Alors, il a... Attends. Il a trahi les Mavericks. Ouais, je vois qu'il y a Irregular Hunter. Et s'est caché lui-même dans un volcan. C'est ce qui est censé être marqué en japonais, j'imagine. Ah ouais, je vois, ouais, je vois. Ouais, je sais pas si j'utiliserai souvent, mais à voir. Magma Dragoon y est très populaire. Ah, j'ai hâte de voir alors. Déjà, j'aime bien son stage. Sa musique est cool aussi. Waouh. Waouh. C'est impressionnant en vrai. Je peux les détruire, putain! Putain, j'ai pris beaucoup de dégâts. Ah, mais j'ai déjà passé la phase 1, ok. Bon bah hop. Oh non, mais non, mais non, mais non. Putain, y'a un truc là-bas. Oh putain, comment on y va? Comme ça. La musique est très cool, il y avait, pour l'instant il y avait vraiment celle de la Jacques que je trouvais très, très Osef en termes de musique. Attends. Ça, je peux pas double saut. Je peux pas aller là. Oh, ça sert à rien. Ah, ok, c'est pour X. Ok.
Oh putain, de la vie, de la vie. Le robot peut nager dans la lave. Ah, ok. Oh putain, ça veut dire que j'aurais pu venir avec lui là. Attends, mais ça veut dire que je peux y aller avec le robot? Oh non, mais je vais me faire niquer là par contre. Zéro, c'est vraiment toi. Pourquoi est-ce que tu nous as trahis? C'est quoi son lightning? Réponds-moi, Dragoon. Je n'ai pas de réponse pour mon ami. Dragoon! Ouais, bon, là, j'avais pas aucune chance. Hein. Attends, quoi? Il fait des Hadouken! Il fait des Hadouken! Ah, c'est son doublage Jap en plus, putain. L'attaque électrique, je peux la cancel avec un dash. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Bon, je vais quand même éviter d'aller dans la lave autant que possible. Okay. Let's go! Alors tu cancel avec le dash, c'est assez drôle à regarder. Putain, j'ai pas regardé, est-ce que je peux faire les attaques spéciales avec... Il est rapide lui hein. Là. Putain, j'aurais bien voulu les itanks en vrai, hein. J'ai pas l'habitude qu'il fasse deux attaques, je sais pas pourquoi. Je trouve pas ça intuitif qu'il en fasse deux. Enfin bon, c'est pas grave.
J'ai avoir plus de facilité à prendre que The Beach. Je pense qu'il doit pas être plus dur en vrai. Par contre, vraiment. Bon. Mais non ! Mais non ! Oh là là. Putain, ça fait déjà une heure et demie. Oh la vache. Putain, si je veux faire les deux, à mon avis, je vais avoir du mal à le finir. Oh putain, il est dur à éviter, je trouve. Il est dur à éviter en vrai aussi. Tu m'étonnes qu'il soit populaire, Dragon, là, s'il fait des Hadouken et des Shoryuken. Oh, il est sérieux là. Mort, hein. Voilà. Enfin, j'arrive à garder le robot et de la vie en vrai. Ce serait vraiment le meilleur des deux mondes. Ok, là ça me paraît bien. Sous doubleur, donc plutôt les personnages, stock d'habitude. Diamant, Joss Ganondorf, donc t'es con. Ah oui, d'accord. C'est quoi cette attaque? Mais putain! Putain, mais même avec les meilleures volontés du monde, j'ai du mal. Hein. Ah non, mais là, je me suis pris à pattern. Ok.
sais pas comment esquiver ces Hadoken, hein, par contre. Ouais, c'est bien, allez, dégage. Là, non, ouais, bon, c'est un peu frustrant, en vrai. C'est quoi? Hop. C'est pas grave. Non, mais là, j'ai plus mal sans le robot, en vrai. Ah oui, d'accord, il a moitié moins de vie dans en mode débutant, très bien. Bon, ma foi. Je voulais te vaincre, puis c'est pareil. Puis il est apparu, qui? Ah, je suis plus dégâts, ok. Vous avez du pouvoir, seulement si je suis avec la Ripley Force. Je pouvais pas refuser l'offre, désolé Zéro. Dragoon! Ok. Hop, spécial machin, bouton de fuseau drone. Oh, qui burn l'ennemi dans les flammes. Hey! Ça up smash. Ah! Attends, le fait de brûler, j'ai l'impression que je peux en tirer quelque chose dans le. L'effet pour être dans les jeux de combat, mais il n'est pas dans Smash, malheureusement. Ah, j'ai reçu un message de la Ripley Force. Zéro, je t'attends au Hall Memorial. Voilà. N'y va pas, Zéro, ne l'affronte pas. C'est une question de fierté personnelle maintenant. Je ne vais pas m'échapper, je dois y aller. Ah, cinématique. Colonel. What? I'm disappointed in you, Colonel. What do you think you're doing? It's not too late. Stop the coup now. Never. If that's your decision. Prepare yourself. Prepare yourself. Faut qu'on se trouve les cinématiques en japonais, je pense. Oh. Very well then. Oh la synchro, oh la synchro labiale. Oh la synchro labiale. Zero, please. Oui, bon, enfin. With my brother. If you do, I'm afraid that one of you may end up. Someone must stop Repliforce. Zero. Mais Zéro là, qu'est-ce qu'il était il... Zéro, mais il est edgy de fou en fait. Ouais, mais oui, il a l'air méga en colère là. Putain. Bon, il en reste 4. On a fait 1h30 là. Je voulais voir un truc dans la jungle en vrai. Est-ce qu'on peut quitter à tout moment là aussi là? Ouais, on peut escape à tout moment. Ah ouais, c'est Shoryuken le truc. Par contre, ouais, je peux le faire qu'au sol. Ouais, je vais vérifier un truc. Par rapport à des trucs que je pourrais pas, détruire. En VO, il est en mode, je veux faire contre-cœur. Ah oui, d'accord. Go!
J'ai l'impression d'avoir une vie. Attends. Elle est longue la première partie du niveau. Normalement, je me suis pas trompé. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Ah oui, non mais d'accord, le Shoryuken, il y en est à ce point là en fait. Oh la vache! C'est pour ça qu'il suit drôle quand on se part Dragon, bah ouais tu m'étonnes. C'est là. Ouais c'est bien ça. Maintenant est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Eh hey. J'ai bien fait, hein. Ok. Allez. Je me casse. Bah du coup, on a 4 cœurs et on a fini 4 niveaux. Il reste 4 niveaux. Bon, on va continuer en vrai. Ou alors je m'arrête là et on se fait les 4 niveaux plus tard. En vrai, vu que j'ai passé 1h35, je pense que je vais essayer. Ça sera en plusieurs parties, je pense. Walrus. Attends, j'ai pas vu. Non, ça me propose Cyber Peacock, donc j'imagine que c'est lui. Avec le feu. Ouais, visiblement. Donc on verra. Ouais, je vais m'arrêter là, sans faire une petite session en vrai. Bah, on reprend demain. Je vais peut-être... Ah non, demain matin, je peux pas. Ouais, bah je pense demain, même heure. Demain, même heure, ouais. Allez. Puis voilà. On sera les 4 derniers trucs. Et puis après, on verra sur le temps qu'il y a. Allez, merci d'avoir regardé. Et bah, à demain. Et bah, à la prochaine, quand ce sera posté sur YouTube. Salut!